Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Mariano. Je suis virologue de formation et je suis actuellement référent sécurité et sûreté biologique au département santé animale à l'INRAE. Donc l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'alimentation et l'environnement. Je suis également membre de la section sécurité et sûreté biologique de la SFM et c'est à ce titre que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui cette présentation donc sur la gestion des déchets de laboratoire. Si vous voulez bien, on va commencer par une petite présentation de la SFM. Donc la Société française de microbiologie a été créée en 1937. Elle est reconnue d'utilité publique. Il y a actuellement plus de 1200 membres dans cette SFM, qui sont répartis dans les 12 sections thématiques, et ces 12 sections thématiques recouvrent l'ensemble des thématiques de la microbiologie. Un site sur lequel vous pouvez retrouver tous les renseignements et les informations sur la SFM, sfm-microbiologie.org, et le président actuel est le professeur Gérard Lina. La SFM a quatre grandes missions. D'abord l'éducation et la formation continue, la promotion des activités de recherche à travers des partenariats avec les grandes institutions publiques et privées, des conseils et des avis d'experts donnés au sein des instances nationales et internationales, et des collaborations avec les autres sociétés savantes pour promouvoir des actions telles que des congrès, des colloques, des enseignements, des livres, des revues scientifiques. Et vous connaissez peut-être justement les référentiels en microbiologie qui sont édités par la SFM. Donc vous en avez ici quatre exemples avec le manuel européen de microbiologie clinique, un manuel également en qualité pour les recommandations pour l'accréditation ISO 1589 et 17025, le fameux REMIC qui est dans tous les donc c'est le référentiel de microbiologie médicale qu'on retrouve dans un grand nombre de laboratoires d'analyse médicale. Et puis, celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, donc le référentiel de sécurité et sûreté biologique, qui a donc été écrit dans la section sécurité et sûreté biologique, et juste une petite présentation de cette section. Donc elle a été créée, c'est la dernière section qui a été créée en 2015, donc par Sébastien Alix, qui en est toujours le responsable. Et donc, au-delà de l'écriture de ce manuel, donc nos activités sont de la recommandation pour la manipulation des micro-organismes pathogènes et la protection du personnel et de l'environnement. Et on organise également des formations régulières, donc soit à Paris, soit directement à Façon sur site. Alors, en plus de ce manuel, bien entendu, qui m'a servi pour faire cette présentation, je voulais vous présenter les deux autres manuels qui me semblent particulièrement importants. Donc ce sont deux manuels de l'Organisation mondiale de la santé. Donc un en 2007 sur la gestion sécurisée des déchets médicaux. Et puis le second qui est un des manuels de la quatrième édition du manuel de biosécurité en laboratoire, donc qui est sorti fin 2020. Rentrons maintenant un peu dans nos présentations sur la gestion des déchets de laboratoire. Donc en sommaire, je vais commencer par vous présenter les objectifs pédagogiques. Ensuite, je ferai une introduction sur les risques et enjeux d'une bonne gestion des déchets de laboratoire. Je présenterai ce que sont les déchets de laboratoire, justement. Et ensuite, la nécessité d'une bonne évaluation des risques pour gérer au mieux ces déchets. On verra les principes fondamentaux de la gestion des déchets qu'on retrouve systématiquement, donc avec à savoir le tri, le conditionnement, la collecte, le stockage, le transport, la désinfection, puis l'élimination finale. On verra enfin un exemple très précis, c'est la réglementation d'ASRI en France. Et puis, je terminerai par les points à retenir. Alors, au niveau des objets pédagogiques, on a défini donc développer une approche pour la gestion des déchets produits dans le laboratoire basée sur une évaluation des risques, savoir mettre en place des systèmes de traitement efficaces des déchets biomédicaux, comprendre et assurer le bon fonctionnement des autoclaves et des incinérateurs, et connaître les filières d'élimination et de destruction des déchets. La petite introduction dont je vous ai parlé, donc ça c'est des choses évidentes, mais c'est bien aussi de les rappeler. Donc tout d'abord les risques associés à une mauvaise gestion des déchets de laboratoire, ils sont nombreux. Il y a tout d'abord un risque infectieux, puisque bien entendu dans ces déchets, on va trouver la présence de micro-organismes pathogènes. Un risque mécanique, avec des coupures, des blessures, avec des objets piquants, coupants et tranchants.
Un risque environnemental à ne pas négliger avec la pollution des sols si on enfouit ou si on laisse des décharges à l'air libre ou directement des eaux si jamais il y a des infiltrations jusque dans des nappes phréatiques. Et puis ne pas sous-estimer non plus le risque psycho-émotionnel avec la crainte de certaines personnes à la vue du sang, voire même de tout objet médical. En face de ces risques, les enjeux d'une bonne gestion de déchets de laboratoire. D'abord, la protection individuelle, c'est-à-dire la protection aussi bien du soignant, du personnel de laboratoire, des patients. Une protection collective avec le personnel de ménage, le personnel qui va être chargé du ramassage des ordures, les chauffeurs, mais également de toutes les personnes dans la rue si jamais ces déchets se retrouvent dans les rues ou dans les endroits publics. La protection de l'environnement, enfin, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si ces déchets sont laissés à l'air libre, ils peuvent bien entendu s'infiltrer et rejoindre des puits, des nappes phréatiques, des rivières, des océans, polluer simplement les sols et donc de là la faune et la flore. Donc des enjeux particulièrement importants. Qu'est-ce qu'on appelle déchets générés dans les laboratoires? Alors on a tout d'abord des déchets contaminés. Ça va être le sang, les organes, les liquides corporels, les cultures, des carcasses d'animaux, des tubes, des conteneurs, des flasques, donc très très larges. On va y revenir. Bien entendu, ces déchets contaminés, ils vont présenter ce symbole risque infectieux. Si j'y arrive, voilà, risque infectieux. Et donc, ils seront forcément à traiter en priorité. On va retrouver des déchets piquants, coupants, tranchants, donc aiguilles, scalpels, seringues, verres ricassés, pipettes, lames, qui peuvent ou non être eux aussi contaminés et donc avec ce symbole risque infectieux. On va trouver également des déchets chimiques avec formaldéhyde, xylène, méthanol, solvants, acides, bases, beaucoup d'autres déchets. Et là, je vous en parlerai moins aujourd'hui, mais ça reste des déchets particulièrement dangereux. En plus de ces différents déchets, on va retrouver également des déchets potentiellement radioactifs. Donc ça, c'est issu des services médico-techniques, notamment de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, etc. Mais on peut également retrouver des pièces anatomiques d'origine humaine. Donc là, ce sont vraiment des morceaux, des pièces anatomiques qui sont facilement identifiables. Et là, il y aura une gestion vraiment vers des crématoriums. Donc c'est encore une autre façon de gérer les déchets. Quoi qu'il en soit, à côté de tous ces déchets dangereux, heureusement, il y a des déchets non dangereux ou déchets banaux. Et là, ce sont principalement les emballages, les papiers plastiques non contaminés. Et heureusement, globalement, on estime environ qu'il y a dans un laboratoire 85% des déchets qui sont non dangereux et 15% qui sont dangereux, mais c'est ceux-là, bien entendu, qui vont faire l'objet le plus d'attention. Alors, pour justement faire au mieux cette gestion des déchets, on va commencer par faire une évaluation des risques. Pour la gestion des déchets, cette évaluation des risques, elle va prendre en compte donc le type d'activité du laboratoire, le type d'agents biologiques manipulés, les types et les volumes de déchets, ça va être particulièrement important, donc savoir ce que c'est comme déchets, si ce sont des objets, du matériel, des liquides. On va voir ce qui est possible d'avoir comme processus de tri des déchets, les emballages qui sont disponibles, le marquage, le stockage, le transport qui sont disponibles également, les méthodes de décontamination et l'élimination finale. Et on verra que ces deux éléments, méthode de décontamination et élimination finale, sont souvent interconnectés. Et à la fin, donc, tout ça, on doit vraiment arriver pour que chaque laboratoire détermine des stratégies de gestion des déchets sur la base des résultats de l'évaluation du risque et de la législation nationale. Bien entendu, c'est hyper important de faire attention à ce qui a été mis en place au niveau national. Mais tout ça doit être également applicable aux conditions et aux besoins locaux. C'est-à-dire que globalement, il faut tenir compte de l'évaluation des risques, de la législation, mais aussi réellement du côté concret du terrain. Parce que si jamais la législation impose tout incinérer, mais que les incinérateurs ne marchent pas, il faudra bien en tenir compte et voir comment on peut faire au mieux pour réduire le risque lié à ces déchets. Une diapositive un peu chargée mais particulièrement importante, c'est vraiment les fondamentaux de la gestion des déchets de laboratoire. D'abord, on va commencer par essayer de réduire au maximum la quantité de déchets. Ça, c'est le plus simple et souvent, on peut vraiment faire des efforts là-dessus.
On va ensuite trier dès la production. Donc le tri, c'est vraiment identifier le risque et définir le traitement final d'élimination approprié. Donc dès qu'on va les produire, si on trie, c'est facile. Si on trie, ben, on va les conditionner tout de suite dans les bons containers, dans les bons contenants adaptés, réglementaires, donc pour que tout de suite on minimise le risque. On va ensuite les stocker, donc là on verra, identifier une zone de stockage signalée, accès limité et nettoyable. On va définir un temps de stockage en fonction du volume de déchets. Puis une fois que tout ça a été fait, bah soit ça peut être fait sur site, soit ce sera à transporter. Mais en tout cas, il faudra envisager l'élimination de ces déchets. Et donc là, pour définir le traitement adapté, en fonction de ce qui sera disponible d'avoir, soit on fait une désinfection, soit on fait une désinfection, une incinération, ou soit on fait une incinération, ou soit alors on verra un stockage dans des structures déterminées. Et tout ça, bien entendu, il y a quelque chose de particulièrement important. Du début de la production jusqu'à l'élimination finale, on va mettre en place un système de traçabilité qui nous permettra d'être sûr que tous nos déchets produits ont bien été éliminés. Alors, si on revient un petit peu sur ces différentes phases, le tri des déchets. Donc ça, c'est vraiment pour s'assurer que chaque déchet suit une filière adaptée. Donc on va mettre en place différentes poubelles avec des codes couleurs et ou des marquages réglementaires. Donc à minima, ce qu'on va trouver c'est vraiment à minima, c'est un système de tri à trois bacs avec des déchets généraux, des déchets infectieux, des déchets piquants coupés en tranchant, sachant que ces deux derniers peuvent être aussi avec le risque infectieux. Donc, soit des codes couleurs, soit les marquages réglementaires, mais en tout cas, au moins trois poubelles. Le conditionnement, on va conditionner, donc comme je vous l'ai dit, tout de suite après le tri, on va les mettre tout de suite dans les bons contenants. Donc là, ça va être des collectes dans des emballages à usage unique, munis de fermetures temporaires et définitives, notamment pour les objets coupants, tranchants. Selon les pays, on va avoir une couleur jaune ou rouge dominante. Ne pas oublier la limite de remplissage qui est très importante, puisque là, ça va éviter justement d'appuyer et d'essayer de trop remplir et avec des risques de coupure, de blessure. Il y aura un marquage qui sera la classe 6.2, donc risque infectieux. Ne pas oublier d'identifier le producteur sur l'IDACRI, et on le reverra pour la France, mais des exigences normalisées, notamment sur des emballages. Voilà. Donc le tri, le conditionnement. Et ensuite, on va avoir deux possibilités. Donc une fois que ces déchets sont triés, sont conditionnés, donc soit ils vont rester sur site et là, il va y avoir une collecte réalisée par du personnel formé et équipé d'EPI. Ne pas oublier que ces EPI doivent être également décidés au moment de l'évaluation des risques. S'ils sont stockés donc sur site, il va falloir définir une zone de stockage pour chaque type de déchets. Et cette zone de stockage doit tenir compte des volumes de déchets et des temps de stockage avant élimination. Il doit bien entendu y avoir un accès limité et sécurisé de façon à ce que tout le monde ne puisse pas avoir accès à cette zone de stockage. La zone de stockage doit en outre être nettoyée et désinfectée assez facilement. Si jamais ce n'est pas possible de faire sur site, à ce moment-là, il va falloir sortir du site et donc il va falloir organiser un transport. Et ce transport va être donc idéalement réalisé par une société qui dispose des autorisations réglementaires, par du personnel formé, habilité et disposant des EPI nécessaires. On va utiliser des containers certifiés UN, ce qui est vraiment un gage de sécurité. Ces containers vont être arrimés de manière sécurisée et sont bien entendu fermés. Et il y aura toute une procédure d'urgence en cas d'accident, de fuite, etc., qui est connue et maîtrisée par le chauffeur. Bien entendu, les véhicules seront nettoyés et désinfectés également. Donc là, on a vraiment ces deux possibilités, soit sur site, soit hors site, mais tout ça, c'est vu aussi au moment de l'évaluation des risques et avec des zones bien sécurisées. Pardon. Un point aussi maintenant également important, ça va être la désinfection des déchets. Je vous ai mis ici deux traitements particuliers. Le traitement chimique et le traitement thermique qu'on va voir. Il en existe d'autres, notamment le micro-ondes par exemple, ou un traitement qui est beaucoup plus rare, mais qui est par la vapeur associé à du broyage interne.
Donc ça, je ne vous le présente pas ici. Donc ce qu'on va voir, c'est nous le traitement chimique. Donc là encore, c'est basé sur l'évaluation des risques et validé au laboratoire. C'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé l'agent chimique qui va vraiment désinfecter nos déchets, ça peut être, je vous ai mis ici, l'eau de Javel, les phéniols, les phénols, les ammoniums quaternaires, c'est ceux qui sont les plus souvent utilisés. Il va falloir bien entendu valider leur action sur nos agents pathogènes de prédilection. Et donc là, il va falloir travailler sur la concentration de ces agents chimiques, sur leur stabilité, puisque quand ils auront été dilués, certes, ils seront efficaces, mais du coup, la stabilité au cours du temps va diminuer, et le temps de contact nécessaire entre l'agent chimique et puis les produits à décontaminer. Souvent, les traitements chimiques seront utilisés pour les liquides, mais ils peuvent être utilisés également pour des solides. Donc juste quelques précautions, je vous ai parlé de la stabilité, mais n'oubliez pas non plus la toxicité pour les personnels et l'environnement. Et puis s'il y a des mélanges potentiels, les mélanges chimiques peuvent provoquer des réactions un peu surprenantes. Un autre point important, c'est si jamais il y a une décontamination chimique qui est suivie d'une décontamination thermique, ne pas oublier qu'il peut y avoir des vapeurs qui vont être générées et ces vapeurs peuvent être particulièrement toxiques, aussi bien pour le matériel que pour les personnes. Donc du coup, on va vraiment privilégier le traitement thermique et donc ça va être fait par autoclavage. Vous avez ici un cycle d'autoclave. Alors, ce qui va être particulièrement important dans l'autoclavage, ça va être les deux paramètres, température et pression. Donc, un cycle d'autoclave, ça va commencer par un pré-traitement. Donc, le pré-traitement, c'est une succession de vides poussées et en même temps, on va injecter de la vapeur pour réchauffer la charge à stériliser. Donc, s'il y a injection de vapeur, ce qui est particulièrement important dans l'autoclave, c'est qu'il faut que cette vapeur aille en tout point de la charge à décontaminer. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les contenants ne soient pas fermés hermétiquement, que les sacs ne soient pas fermés hermétiquement, etc., de façon à ce que cette vapeur puisse aller partout. Ensuite, on va atteindre une température qui est souvent de 121, la plupart du temps pour tous les agents pathogènes, ou de 134 si on travaille par exemple sur des prions, où ça a des risques liés aux prions, et une pression un peu supérieure à 3 bars. Et donc là, on va atteindre le plateau de stérilisation. Donc la température et la pression vont rester stables pendant une vingtaine de minutes, et donc c'est vraiment cette phase-là qui va permettre la désinfection des produits. Et ensuite, on va avoir la phase de séchage, donc qui se termine par une mise sous vide prolongée. Pour chaque cycle, on va suivre la bonne exécution du cycle par l'analyse des paramètres. Donc, je vous ai dit la température, on atteint une température déterminée, la pression et le temps qui va être nécessaire de contact entre les produits à décontaminer et cette température. Donc ça, si on peut suivre avec des tickets d'enregistrement, c'est parfait. Mais autrement, on peut utiliser d'autres indicateurs. Alors je vous en ai mis quelques-uns en dessous. Alors il y a le fameux scotch autoclave, mais qui n'est pas un très bon indicateur pour vérifier qu'on a bien eu un bon cycle d'autoclave. Ça va juste être pour vérifier qu'en effet les températures sont bien élevées. On va plutôt utiliser, si on cherche quelque chose pour vraiment vérifier un cycle d'autoclave, des indicateurs de stérilisation qui ont différentes couleurs et qui vont changer de couleur si on atteint bien les températures et les temps nécessaires, ou des indicateurs biologiques qui sont souvent des spores bactériens qu'on va utiliser, qu'on va mettre dans l'autoclave. Et bien entendu, si on n'arrive pas à faire repousser ces spores bactériens, c'est que l'autoclave a bien fonctionné. Donc ce sont des très bons indicateurs biologiques pour vérifier des cycles. On le reverra tout à l'heure. Bien entendu, ces autoclaves, c'est très bien, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, la technique privilégiée, mais il faut absolument que ces autoclaves soient maintenues et surtout qualifiées pour être sûr de leur performance. Donc ce type d'appareil, qui finalement sont des équipements sous pression, comme je vous l'ai dit, donc nécessite des contrôles réglementaires. Donc ça, il va falloir vraiment faire attention à la législation nationale et être bien en règle par rapport à ces contrôles réglementaires.
Il va falloir former et habiliter le personnel, aussi bien pour l'utilisation des autoclaves que pour leur maintenance. Il va y avoir des procédures écrites pour les différents programmes. Comme je vous l'ai dit, on peut faire du liquide, on peut faire du solide, on peut faire beaucoup de choses, mais en tout cas, il va falloir que ces procédures soient écrites. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur le côté, si jamais on fait du liquide dans des autoclaves, à ce moment-là, pour être absolument sûr qu'on atteint bien la température de référence et le temps voulu, on va plonger des sondes dans une sonde de l'autoclave dans ce liquide, de façon à être sûr qu'on atteint bien la bonne température. Là encore, pour les liquides, on est dans des récipients qui sont ouverts, de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout, enfin que la vapeur puisse aller partout. À côté donc de tout ça, on va faire des plans de maintenance. Le plus simple, ça va être l'inspection visuelle, voir si les joints sont bons, si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de soucis sur l'appareil. Mais on va également faire des tests, alors des tests de vide, des tests de bowidic, qui sont des tests assez simples. Et puis on va mettre en place un plan de qualification qui là est vraiment non seulement hyper important, mais absolument nécessaire. C'est avec deux types de qualifications, des qualifications opérationnelles, qui vont démontrer que l'autoclave est capable à vide et en charge de réaliser le processus de décontamination. On va vérifier les chaînes de métrologie, les sondes, etc. Et puis on va faire une qualification de performance pour vérifier la pénétration de la chaleur au cœur des charges maximales et minimales. Donc là, on va définir des plans de chargement et on va regarder justement à l'aide d'indicateurs biologiques si cette vapeur va bien partout au niveau de la charge. Donc là, on a désinfecté les produits, mais voilà, on les a toujours, bien entendu, à la fin de l'autoclave, ils ressortent, il n'y a plus de risque infectieux. Et donc là, comment on va pouvoir s'en débarrasser? Donc il y a une technique qui est l'enfouissement après désinfection, donc dans des fosses à déchets spécifiques, fermées et sécurisées. Donc là, j'insiste bien, ce n'est pas du tout de l'enfouissement qui va être fait n'importe comment, dans n'importe quel terrain, etc. Parce que là, justement, il y a quand même des risques. Ça peut quand même polluer les sols, ça peut polluer les nappes phréatiques, etc. Donc là, c'est vraiment dans des fosses qui vont être cimentées, qui vont être fermées, qui vont être sécurisées. Donc c'est pas mal, on gère le risque infectieux, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas très éco-responsable, puisque finalement, on laisse ces déchets aux générations futures. Donc l'autre moyen d'éliminer les déchets contaminés, ça va être l'incinération. Donc là, on a différents types d'incinérateurs. On a le plus simple, qui est l'incinérateur de Montfort, qu'on va monter directement sur place. D'autres incinérateurs, là je vous en ai donné qu'un exemple, pardon, l'incinérateur Hatfield, qui lui est directement monté et qu'on installe donc sur site, et puis jusqu'à l'incinérateur industriel, donc là c'est vraiment une grosse station. Il existe plein de modèles, d'autres modèles. Ce qui est vraiment important au niveau de l'incinération, c'est de bien comprendre qu'il faut une double chambre de combustion. Cette double chambre de combustion, elle va permettre tout d'abord dans la première chambre de combustion de générer les premières vapeurs et les premières fumées. Et ces premières fumées, en fait, seront peut-être pas à la bonne température pour être absolument sûr que tous les micro-organismes vont être détruits. Et donc, elles vont passer dans une autre chambre de combustion qui est au moins à la même température, donc 800 degrés à minima, mais souvent, la deuxième chambre de combustion est plus élevée que la première chambre. Et donc là, elles vont être rebrûlées pour être absolument sûr qu'on n'aura pas de vapeur, de fumée qui peuvent sortir avec des micro-organismes non détruits. Et donc ça, bien entendu, c'est très bien, ça permet de détruire complètement, mais là aussi, il faut vraiment faire attention à tout ce qui va être pollution environnementale, puisque ces fumées peuvent être vraiment des problèmes. Et donc là, il faut que ces incinérateurs soient vraiment munis de filtres, soient vraiment munis de systèmes qui vont vraiment être importants pour être absolument sûr que, notamment, on ne va pas trop rejeter tout ce qui va être produits chimiques et notamment des dioxines, des furanes, qui pourraient vraiment être des problèmes au niveau environnemental. Là encore, comme pour les autoclaves, tous ces équipements nécessitent vraiment de l'entretien et de la qualification pour être sûr que leur fonctionnement est optimal.
Alors maintenant, on va essayer de revoir tout ça, par exemple, avec un exemple, donc la réglementation française sur les DACRI. Alors les DACRI, juste pour rappel, donc on commence, donc ça c'est un article du Code de la santé publique, c'est la définition des DAS qui sont les déchets d'activité de soins. Ce sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire. Après les DAS, on va trouver donc les DASRI qui sont les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc les DASRI, ce sont les DAS qui contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines qui sont susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ou dans d'autres organismes vivants. Et ce sont également les DAS qui, même en l'absence de risque infectieux, sont des matériels et matériaux piquants ou campants, des produits sanguins à usage thérapeutique et des déchets anatomiques humains correspondant à des fragments non aisément identifiables. Et enfin, on a les DASRIA, donc qui sont la plupart des déchets qui sont produits dans les laboratoires, donc déchets ayant les caractéristiques des DASRI, mais qui sont issus des activités donc d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, et également les équipements de protection individuelle non réutilisables portés par des personnes exposées à des agents biologiques. Donc tout ça pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ces DASRIA. Donc la gestion, elle se fait comme ça. Donc là, on va retrouver ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc tout d'abord, on produit en laboratoire, et dès la production, on va trier et conditionner. Donc trier en fonction de si c'est un risque infectieux, si c'est un risque chimique, etc. Et on va conditionner donc dans les différents contenants. On va inactiver. Donc méthode chimique ou méthode thermique à partir du niveau 3 pour tout ce qui est pathogène, mais également à partir du niveau 2 pour les OGM de classe 2, voire même recommandé pour les OGM de classe 1. Une fois que ce sera conditionné, on va les stocker dans des zones bien définies. Donc ces zones, elles seront fonction de la quantité de déchets, mais également du passage et de la collecte. Pour la collecte et le transport. Donc la collecte et le transport, ce sera fait par une société extérieure. Donc cette société extérieure sera agréée pour l'arrêté transport matière dangereuse, et tout sera véhiculé avec un code UN 3291. Le transporteur va emmener tout ça à l'incinération. Donc là, on aura une élimination donc dans des incinérateurs qui sont agréés également. On a la possibilité également dans la législation française d'utiliser des pré-traitements par désinfection, ce qu'on appelle aussi la banalisation. C'est une alternative à l'incinération, mais c'est très peu utilisé et tous les appareils doivent être agréés par le ministère de la Santé. Donc comme je vous l'ai dit, là, on va vraiment de la production jusqu'à l'élimination, et tout ça va être suivi par un CERFA. Ce CERFA, donc, à toutes les étapes, on va remplir un petit feuillet, et le dernier feuillet, donc l'élimination revient au labo qui a produit, et là, comme ça, on est absolument sûr qu'on a bien détruit tout ce qu'on avait produit. Alors, les points à retenir de cette présentation sur la gestion des déchets. C'est tout d'abord la bonne gestion des déchets de laboratoire est indispensable pour protéger le personnel du laboratoire, la communauté et l'environnement. Le but est d'éliminer de manière pérenne les risques infectieux, c'est surtout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais également les risques chimiques ou autres sans trop d'impact sur l'environnement. Et ça doit faire l'objet d'une évaluation des risques qui tient compte de la législation nationale et des moyens disponibles. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et qu'elle vous sera utile. Et je vous remercie pour votre attention.